really very much for being with us today. It's a great pleasure. C'est un grand plaisir, un grand honneur de vous avoir avec nous. So first, could you tell us, in your own words, for you, what is Merlin? Is it a teen show? Is it... Après, je vais traduire en français parce que là, je commence en anglais, c'est pas bien. Is it a teen show? Is it a drama show? Is it a medieval show? Voilà. Je vais leur demander déjà de nous parler de Merlin pour elle. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une série de teenagers? Est-ce que c'est une série médiévale? Ou est-ce que c'est une grande série d'aventure? I think it's all those things. I think the great thing about Merlin is that it really spans the ages. I think people watch it as a family. They can sit down and enjoy it together. The kids love it, but the grown-ups also love it as well because it's got some kind of dark elements, but it's got a bit of everything. It's got romance and intrigue and magic, and I think everybody loves a bit of escapism, and sort of fantasy genre is like the ultimate sort of example of that, really. Bien, je crois que c'est tout à la fois en fait. Merlin, c'est un show qui s'adresse à toute la famille. Les enfants aiment beaucoup le programme, mais également les adolescents. Bien sûr, il y a tous ces côtés un petit peu noirs, un petit peu magiques, qui font l'atmosphère de fantasy du programme, et c'est pour ça que c'est un programme qui s'adresse à tous. Cathy? I think Angel's right. I think it is all of those things. It's one of those few shows that you can watch with your parents and your grandparents and your friends. And everybody's going to find something different that they love, and the characters are really identifiable. As you know, I think a lot of people find bits of themselves in them, and it's a great coming-of-age story. And I think it's easy to identify with people who are just trying to be themselves and trying to work out the problems in their life and deal with things. So. C'était génial. Bon, c'est une réponse un peu nulle, mais je vais le dire quand même. Angel a tout à fait raison. C'est l'un de ces quelques rares programmes que l'on peut regarder en famille avec ses parents, avec ses grands-parents, avec ses amis. Parce que je crois que dans chacun des personnages, on peut y trouver un peu de soi-même. Et c'est un peu une histoire d'initiation, un rite initiatique. Et c'est vrai qu'il y a des moments dans la vie où on a besoin de retrouver ça dans ces programmes. Alors, Cathy, Angel, vous avez une chance formidable avec cette série. Vous tournez en France. La série est tournée à Pierrefonds. Est-ce que vous pouvez nous parler du tournage et du fait que vous tournez en décor réel? So, you're lucky that the show is on the show in France. We can't tell you everything about the third season. What we can say is
think it's kind of one of the good things in Merlin is that each time we have a new season, the writers and the producers and everybody move the show on quite sort of significantly. So there's no kind of stagnancy with the characters. You see them grow and develop, and you see things like move him forward. Or like I say, season three, in the same way season two, has many new stars, many new creatures, a lot more magic. You get to find out a little bit more about each character and their past and how their relationships begin to develop amongst each other. Bien entendu, je ne vais pas tout vous dire sur la saison 3. Tout ce que je peux vous dire, c'est que comme pour la saison 2, les scénaristes, les réalisateurs font progresser la série, la font évoluer, la font se développer. Les personnages se développent, les relations entre les personnages se développent. Et ce que je peux vous dire de la saison 3, c'est que vous allez y voir apparaître de nouvelles stars, de nouvelles créatures et tout un nouvel univers de magie. Cathy, déjà dans la saison 2, votre personnage, le personnage de Morgana, donc, avait une révélation. On n'a pas encore vu en France la saison 2, mais vous pouvez nous parler quand même de l'évolution de votre personnage, de Morgane, dans la saison 2, le fait que je crois qu'elle va commencer à comprendre qu'elle n'est pas tout à fait comme les autres. Cathy, your character had a revelation. Not yet seen season 2 in France, but can you tell us what season two for Morgana is all about coming to terms with her secret. As the season goes on, she discovers increasingly she can't control what it is that she's been trying to hide. And she desperately starts to look around for somebody to help her, support her. I mean, basically just tell her that she's going to be all right. And by the end of the season, she's gone somewhere where we don't know that she can ever come back. I think every relationship that she has had up until then will drastically change because of this. So, yeah, episode 12 is amazing, so you should tune in for that. It's all amazing, but you know.